Depuis septembre 2023, on a effectué 14 prélèvements, dont 12 qui se trouvent, en fait, on obtient des niveaux au-dessus du seuil recommandé par le site du ministère de la Santé. Et on se retrouve aussi avec 13 prélèvements qui, eux, sont au-dessus des seuils proposés par la Fédération internationale de natation et de triathlon. Dans notre lettre ouverte, on demande à garder accès au quai bas de la Seine pour pouvoir continuer nos prélèvements, pour avoir une idée de l'amélioration de la qualité de l'eau en période estivale où il fait relativement une meilleure météo. Entre la gare de Clermont, le viaduc de la Lucinque et l'hôpital de Saint-Pierre deviendra un espace vert d'un hectare.